Nous sommes deux qui interviendront aujourd'hui. Moi, je suis donc Marie-Cussol, je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception, qui est une association 2009-5 qui est basée à Saint-Étienne, donc qui intervient au niveau national et qui a vraiment pour objectif d'aider les entreprises à améliorer leur performance environnementale. On verra ce qu'on entend par performance environnementale tout à l'heure, mais c'est ce qui va vraiment être au cœur d'un sujet d'éco-conception. Et plus particulièrement, au sein du pôle éco-conception, je suis animatrice d'un programme qui s'appelle le programme Oxymore, qui a pour but de diffuser l'éco-conception en Occitanie et de vraiment vous permettre, vous, entreprise, de passer un cap dans votre démarche, d'être orienté dans votre démarche d'éco-conception, de mieux comprendre ce que ça peut vous apporter et comment prendre le pas, lancer un projet d'éco-conception, une démarche qui soit cohérente et pertinente pour vous, dans les grandes lignes. On y reviendra aussi un petit peu à la fin pour parler un petit peu plus de ce programme. Avant tout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'est l'éco-conception, de quoi on parle, quelle est la définition quand on parle d'éco-conception, pourquoi éco-concevoir, à quoi ça sert pour une entreprise, ce que ça peut lui apporter de faire de l'éco-conception. Alors moi, je vous présenterai une étude un petit peu théorique qui a été faite par l'ADEME en 2020. Mais je pense qu'on reviendra sur le sujet aussi un petit peu plus tard grâce à ce que Christophe Fernique pourra nous en dire sur des retours d'expérience vraiment concrets de projets qui ont été réalisés grâce à des opérations collectives en Occitanie précédemment. Ensuite, on parlera de comment faire de l'éco-conception, comment on s'y prend. Il y a une démarche avec un certain nombre d'étapes, et ça fera aussi le lien justement entre l'éco-conception et l'outil d'analyse de cycle de vie, qui est un outil dont on n'a pas énormément parlé, même de manière générale, même en dehors de l'éco-conception. Donc, ça permet un peu de voir comment ils se nourrissent mutuellement. Ensuite, on parlera un petit peu plus grâce à notre deuxième intervenante de l'éco-conception de services numériques et enfin de retour d'expérience sur la région avant de finir avec un peu plus d'informations sur le programme Oxymore si vous voulez vraiment des éléments concrets pour lancer une démarche d'éco-conception chez vous. Voilà grosso modo pour le programme. Alors c'est un petit peu chargé, mais je vous rassure, c'est des parties qui seront quand même relativement courtes. Premièrement, qu'est-ce que l'éco-conception? Qu'est-ce qu'on entend par éco-conception? Alors, il y a une définition assez précise là-dessus qui vient de normes. Il y a tout un système de normalisation, toutes les normes internationales ISO 14000 qui sont consacrées à la prise en compte de l'environnement dans l'industrie et dans les entreprises. Parmi ces normes-là, on a notamment l'ISO 14006 qui donne les grandes lignes de conduite pour mettre en place une démarche d'éco-conception concrètement dans une entreprise. Et cette norme nous dit que l'éco-conception, c'est une approche méthodique, il y a vraiment cet aspect méthodologique, qui va prendre en considération les aspects environnementaux dès le processus de conception et développement. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre ça le plus en amont possible avant d'avoir fixé l'ensemble des décisions à prendre tout au long du cycle de vie du produit, dans le but de réduire les impacts environnementaux sur tout le cycle de vie produit ou service. Cette définition, il y a un élément qui n'apparaît pas et que nous on aime bien rajouter, c'est que toutes ces idées-là, tous ces concepts-là, il faut les mettre en œuvre en assurant malgré tout la performance du produit. Et c'est en ça qu'on va parler de performance environnementale. C'est que l'idée, c'est vraiment réduire les impacts environnementaux d'un produit, mais pour un usage, pour une fonction donnée, pour répondre à un besoin. Si en réduisant les impacts, la fonction du produit change et qu'il ne répond plus aux enjeux, à la fonction qui s'était fixée au départ, ça n'a pas de sens parce qu'on va perdre un marché, on va perdre des clients, c'est un produit qui certes aura moins d'impact mais qui va rester sur étagère donc ça n'aura pas forcément de sens. Donc il y a vraiment cette notion aussi de performance environnementale du coup qui est importante. Il y a plusieurs concepts qui découlent de cette définition. Je propose les balayer rapidement. Donc ça c'est un petit peu la synthèse de la définition vraiment, penser conséquences environnementales avec une réflexion globale en assurant la performance du produit. À partir de là, ça veut dire qu'il faut avoir une approche qui va être à la fois multi-étape. Donc, on va prendre en considération l'ensemble du cycle de vie d'un produit, depuis les étapes d'extraction de matières premières et de production d'énergie dont on a besoin pour réaliser le produit et l'ensemble de son cycle de vie. Donc, c'est des choses qu'on va quantifier, qu'on va prendre en compte et dont on va sortir les enjeux environnementaux, les impacts environnementaux également. On va aussi prendre en compte les étapes de fabrication qui correspondent à ce que une entreprise manufacturière va faire vraiment en son sein, en termes d'étapes faites en interne, mais il est aussi important de prendre en compte les étapes qui ont été faites en amont pour produire des composants, pour mettre en forme de la matière avant l'assemblage final. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont être à prendre en compte.
On va avoir une étape de transport, aussi appelée logistique, qui, elle, a vraiment pour objectif de regrouper l'ensemble des transports qui vont avoir lieu tout au long du cycle de vie du produit. Donc, évidemment, la partie distribution entre la fabrication et l'usage, mais également les autres transports qui peuvent y avoir lieu au sein de l'étape de matière première pour des matières qui vont venir de loin, au sein des étapes de fabrication pour différentes étapes qui vont être fabriquées, qui vont être mises en œuvre chez des sous-traitants, chez des fournisseurs différents, avant d'arriver au lieu final. On a aussi une étape d'usage, évidemment. L'usage d'un produit génère des impacts environnementaux dans une grande partie des cas. Alors, ce n'est pas le cas de tous les produits, évidemment. Tous les produits n'ont pas de consommation, n'ont pas d'impact lors de leur utilisation, mais certains oui. Donc, c'est important de le prendre en compte aussi et de maximiser la durée de vie, de maximiser la fonction rendue dans cette phase d'usage. Et enfin, on a une phase de tri, de fin de vie qui correspond à toutes les étapes de. Que faisons-nous du produit une fois qu'il arrive en fin de vie? Donc l'idée, c'est d'avoir cette approche-là, de mettre à plat ce cycle de vie et de connaître l'ensemble des enjeux environnementaux, des impacts environnementaux à chaque étape. On va avoir une approche multi-étape, mais aussi une approche multi-critères, où là, l'idée, ça va être de prendre en considération l'ensemble des critères d'impact importants. Quand on parle de l'impact environnemental d'un produit, on ne va pas seulement parler des émissions de gaz à effet de serre ou seulement parler de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique, mais parler de l'ensemble des impacts des critères environnementaux sur lesquels le produit peut impacter. Ça va passer par les critères que je vous cite ici dans cette petite liste, mais ça va aussi passer par d'autres critères que je ne vous ai pas cités là. L'idée, là, c'est d'avoir quelques exemples. On peut parler notamment d'eutrophisation, c'est le fait d'enrichir un milieu naturel par des rejets maintenant de l'industrie, par exemple, qui vont déséquilibrer le milieu et faire que certaines espèces vont davantage se développer que d'autres de manière totalement artificielle. On peut parler d'acidification des sols et d'acidification de l'eau. D'écotoxicité, donc c'est la toxicité liée au milieu naturel, le fait de générer des pollutions qui vont venir intoxiquer des milieux naturels directement. Les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie non renouvelable, pétrochimique notamment, enfin, oui, pétrochimique notamment, la consommation de ressources rares, tout ce qui est gaz rare, terre rare, qu'on voit beaucoup dans l'électronique aujourd'hui, l'ozone troposphérique, notamment, c'est l'ozone qui est à notre niveau d'atmosphère, pas au niveau couche d'ozone, c'est pas le même impact environnemental, là on est vraiment sur l'ozone qui est dégagée par les industries et qui va augmenter la fréquence et la gravité des pics de pollution, notamment en ville, qu'on voit. Et la toxicité, c'est sa toxicité sur l'homme, parce qu'il y a aussi ce type de critères qui va être à prendre en compte. Ça, c'est les deux premiers aspects. L'aspect suivant, quand on parle d'éco-conception, c'est de parler de. On va essayer d'éviter tout ce qu'on entend par les transferts d'impact, c'est-à-dire éviter de transférer, quand on va améliorer un impact environnemental, éviter d'améliorer l'impact environnemental d'un côté, mais de le transférer à d'autres étapes du cycle de vie. Ça va être la même chose d'un critère d'impact à un autre. Un petit exemple pour illustrer ça rapidement, pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'on entend derrière ça. On va prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture thermique d'un côté. Une voiture thermique, ses impacts environnementaux sont axés en phase d'usage, notamment. Il y a énormément d'impacts dus à la phase d'usage, du fait de la consommation de carburant, mais aussi du fait des émissions au fait de brûler ce carburant, à la consommation de ce carburant. On va chercher à améliorer cette phase d'usage pour l'exercice. Et pour ça, on va comparer notre voiture thermique à un système de voiture hybride. Bah, c'est pas censé apparaître ça. Un système de voiture hybride qui va certes réduire énormément les impacts en phase d'usage, mais par contre transférer de l'impact à d'autres étapes du cycle de vie. Je m'explique, on met un moteur électrique dans une voiture hybride en plus du moteur thermique, donc on peut assumer que on va avoir une réduction des impacts en phase d'usage parce qu'on va rouler à l'électrique en France et donc du coup utiliser moins de carburant et émettre moins de gaz à effet de serre. Par contre, pour y parvenir, on a été obligé de construire, enfin, de mettre en place un nouveau moteur, des nouveaux systèmes, une batterie dans la voiture, dans le véhicule également, donc d'extraire de nouvelles matières premières, d'avoir des étapes de fabrication supplémentaires pour fabriquer ces éléments. Et on a aussi une notion à gérer en phase de fin de vie, où on a en phase de fin de vie des éléments qui sont beaucoup plus coûteux à traiter d'un point de vue impact environnemental. Donc on a transféré l'impact environnemental de la phase d'usage
vers d'autres étapes du cycle de vie. C'est ça qu'on entend par transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à l'autre. Vous vous rendez compte que du coup, ce transfert d'impact doit aussi exister d'un critère d'impact à l'autre, finalement. Ce qu'on a évité en termes de transfert d'impact, en termes d'impact environnemental sur notre phase d'usage ici, ce sont de la consommation de ressources non renouvelables et des émissions de gaz à effet de serre. Certes, on les a réduites, par contre, on a augmenté la consommation de terres rares, de ressources rares, parce qu'on en a beaucoup plus que dans une voiture thermique. On a aussi augmenté, on a fait appel à des processus chimiques qui sont nocifs et qui sont complexes. Donc, on a aussi augmenté l'impact environnemental sur les critères d'acidification, les critères liés au rejet sur les milieux naturels. Donc, on a aussi ces transferts d'impact. Depuis certains critères d'impact vers d'autres critères d'impact qui vont être plus impactés. C'est ce qu'on voit ici avec les gaz à effet de serre, les consommations d'énergie non renouvelable qui sont moins impactées. Par contre, on a augmenté notre impact sur d'autres critères. Vous voyez que du coup, on rentre dans une complexité quand on va parler de réduire l'impact environnemental qui n'est pas si simple finalement. Et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il va falloir étudier avant de mettre en place des solutions pour bien identifier qu'on a réellement un gain environnemental derrière. Ces transferts d'impact, on ne va pas pouvoir les supprimer, hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les mesurer et s'assurer qu'au final, on ait vraiment un gain. Cette complexité, elle illustre la dernière approche très importante quand on parle d'éco-conception. Ça va être... Hop là, pardon, j'ai perdu ma souris. Ça va être une approche de compromis, finalement. L'idée, ça va être, quand on veut vraiment faire un projet qui fonctionne, qui tienne la route, de faire un compromis entre, d'une part, les contraintes environnementales qu'on ajoute à notre produit, mais d'autre part, toutes les autres contraintes qui sont inhérentes à un projet, qui sont indispensables pour qu'une entreprise mette sur le marché un produit et pour qu'il fonctionne et pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, l'idée, ça va vraiment être de faire ce bilan-là, cet équilibre entre l'environnement et jusqu'où on peut aller en réduisant l'impact environnemental tout en ayant un produit qui fonctionne, qui trouve son marché et qui permette à l'entreprise de s'en sortir et d'être pérenne. Ça montre aussi une autre complexité de l'éco-conception qui est que finalement, un produit aujourd'hui peut être éco-conçu pour répondre à un marché dans un certain nombre de contraintes. Mais demain, les contraintes peuvent peut-être changer, le marché va peut-être changer, les attentes vont changer, les technologies vont changer et notre produit éco-conçu ne sera plus le meilleur sur le marché en termes d'impact environnemental, aura été rattrapé. Ça montre aussi la notion d'amélioration continue qui va être capitale en éco-conception pour pouvoir justement toujours essayer de s'améliorer et de trouver des solutions qui correspondent au mieux aux contraintes et au contexte actuel. Voilà pour une définition qui somme toute déjà assez complète de l'éco-conception. Alors ça vous montre un petit peu ce qu'on cherche à faire d'un point de vue théorique, rentrant un petit peu dans le détail si vous voulez bien, avec notamment déjà pourquoi on éco-conçoit, qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise. C'est une question que l'ADEME, le pôle éco-conception et d'autres organismes se sont posés depuis pas mal d'années déjà. La première étude sur les retours économiques de l'éco-conception date de 2008, donc c'est pas tout récent. Depuis, il y en a eu une deuxième en 2014, un peu plus complète avec beaucoup plus d'entreprises interrogées, une en 2017 qui mettait en avant des retours d'expérience et la dernière date de 2020 qui a permis de corréler finalement les résultats qui avaient déjà été obtenus en 2014. Toutes ces études-là, vous pouvez, si cela vous intéresse, les retrouver dans téléchargement libre sur le site de l'ADEME directement. C'est vraiment des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès, sur le site de l'ADEME ou sur le site du Pôle Éco-Conception d'ailleurs. C'est vraiment des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès facilement pour peut-être un petit peu aussi étayer vos réflexions. Donc pourquoi éco-concevoir? L'idée, c'est de vous montrer deux grands résultats. Je n'ai pas forcément pour ambition de vous abreuver de chiffres qu'on oublie derrière. Je voulais vous montrer deux résultats de cette étude de 2020 qui a été effectuée par le cabinet de conseil Harris sur demande de l'ADEME et on a relu et participé à l'étude au pôle éco-conception. Le premier chiffre, c'est l'impact sur le volume des ventes. C'est-à-dire, on a à peu près 300 entreprises qui ont été interrogées. Sur les 300 entreprises qui ont du coup mené un projet d'éco-conception et qui ont mis sur le marché un produit éco-conçu à la suite de ce projet, qu'est-ce que ça a apporté en termes d'impact sur le volume des ventes de ce nouveau produit éco-conçu par rapport au produit précédent? Ce qui est intéressant
à remarquer, c'est que pour plus d'un tiers des entreprises, on a une augmentation ou une augmentation significative du volume des ventes, surtout dans les petites entreprises et petites PME de moins de 50 salariés. Et surtout pour des entreprises qui ont eu un niveau généralisé de la démarche. C'est intéressant parce qu'on y reviendra tout à l'heure, ce qui fait vendre un produit aussi aujourd'hui, c'est la communication qu'on en fait. Et quand on parle d'éco-conception, la communication est une part assez très importante qui fait réellement partie intégrante de la démarche d'éco-conception. C'est le fait de savoir communiquer, d'arriver à communiquer de manière la plus juste possible, la plus irréprochable possible, les améliorations qu'on a apportées à un produit et en quoi aujourd'hui on a mené un projet qui fait qu'il est meilleur d'un point de vue environnemental. Donc c'est intéressant pour ça. Je finis simplement mon explication et je vous donne la parole. Je te donne la parole. L'autre élément intéressant, c'est que pour 64% des entreprises, on est sur un impact sur le volume des ventes qui a été stable. Donc on peut dire que c'est pas ce qui est intéressant, c'est de montrer que bah, finalement une démarche d'éco-conception dans l'imaginaire collectif, souvent on se dit que c'est ce qui va faire perdre des parts de marché à l'entreprise. On n'est pas compétitif quand on fait de l'éco-conception. Là, ça vous montre que d'un point de vue volume des ventes, il y a la majorité des entreprises qui, au pire, ont vu une stabilité. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est forcément négatif. On n'a que 4% d'entreprises qui ont vu une baisse ou une baisse significative. Et c'est très bien corrélé au résultat de 2014 que vous avez ici, sur la partie un peu plus foncée ici, bleu verte. En 2014, la question qui avait été posée, c'était un impact sur les profits et non plus sur le volume des ventes, qui était aussi intéressante. Et on avait un peu moins d'un tiers d'entreprises qui avaient vu une augmentation de leurs profits sur les ventes des produits. Une grosse partie, quasiment 70% qui avaient vu une stabilité des profits. Donc l'éco-conception déjà ne leur faisait pas perdre d'argent. Et on a quand même une petite baisse pour certains projets. Tu voulais prendre la parole, peut-être? Oui, Je te laisse. c'était assez rapidement. Vu qu'on l'a, on l'avait pas précisé pour les personnes qui nous suivent, on a une question qui est apparue. Et vu qu'on a un temps d'échange, je ne savais pas si toi tu voulais déjà y répondre en cours de route. Tu préfères Je les l'ai garder pour la fin? pas. Hop. Ok, bah c'était pour te C'est prévenir qu'il y a bon. une petite. Je vois sur les différents types d'impacts environnementaux. Alors, est-ce qu'il existe une échelle d'unité permettant de comparer des choux et des carottes? Non. Tout simplement parce qu'on ne compare pas des choux et des carottes. Par contre, on en parlera peut-être juste après, on est vraiment sur des impacts environnementaux quand on va regarder l'ensemble des impacts environnementaux, mais c'est des impacts qui vont être très différents, on ne va pas mesurer du tout la même chose. Certains s'appliquent à la santé humaine, certains s'appliquent à l'impact sur l'environnement et certains s'appliquent, le dernier volet, à la consommation de ressources. En fait, ces différents types d'impacts, ils sont étudiés pour avoir une vision exhaustive, il faut les étudier de façon parallèle finalement. On ne peut pas tous les compiler ensemble, ça se fait. Il existe des scores uniques, des outils qu'on appelle un score unique qui ramènent tous ces impacts, qui les normalisent, qui les pondèrent grâce à des études scientifiques pour voir comment ils sont les uns par rapport aux autres et ensuite qui les ramènent à un seul score unique finalement. Mais c'est un score qui est à prendre avec énormément de précautions parce qu'en effet, ça ne permet pas à l'intérieur du score de voir un petit peu les différences entre les impacts qui sont de nature différente. Donc oui, on a bien des impacts différents. On n'a pas d'échelle commune. Par contre, on a un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui permet déjà d'avoir une liste de l'ensemble de ces impacts qu'il faut un peu étudier, l'ensemble des impacts qui reviennent un petit peu sur tous les types de projets, sur les types de produits. Grosso modo, ces types d'impacts-là, je vous en ai cité une bonne partie déjà au moment de vous montrer ces différents critères d'impact. Eutrophisation, acidification, gaz à effet de serre, etc. Et ils sont ensuite classés en trois catégories. C'est comme ça qu'on peut un petit peu, pas forcément les comparer réellement, mais au moins les mettre en perspective. On les classe selon, d'une part, tous les impacts environnementaux liés à la santé humaine. On a une catégorie d'impact liée à la consommation de ressources, aux ressources rares, etc. Et une catégorie liée à l'impact sur les écosystèmes, l'impact sur le vivant, l'environnement de manière générale. Donc voilà, on n'a pas forcément une facilité de tous les comparer sur une même échelle parce qu'ils agissent vraiment différemment.
Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir cette vision un peu globale, parfois en les regroupant par type d'impact réel. Et c'est en ça aussi que c'est un sujet qui est assez complexe, finalement, quand on parle d'impact environnemental, parce qu'il faut pouvoir regarder plusieurs impacts à la fois et pas un seul. C'est pour ça qu'on est vraiment multicritères, c'est qu'on ne peut pas tous les ramener à une même échelle, finalement. J'espère que ça répond à votre question, Jérémy. Et j'en profite pour prendre la deuxième question. Alors, je n'ai pas dit, est-ce que cela a un impact sur la compétitivité des entreprises? On revient du coup sur la partie retour économique. Est-ce que c'est faire de l'éco-conception a un impact sur la compétitivité des entreprises, notamment par rapport à des pays qui sont moins sensibles à l'éco-conception? Alors, plus que des pays, je parlerai de marché même. Oui, ça peut avoir un effet sur la compétitivité des entreprises en fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve. Est-ce que c'est un secteur qui va être mature pour prendre en compte ces enjeux environnementaux ou pas? En fonction des besoins, des demandes clients, fournisseurs, etc., qui vont aussi changer énormément. Finalement, c'est cette partie-là qu'il va plutôt falloir dimensionner. Et c'est en ça que on verra juste après dans la démarche. Il y a une grosse partie, la première étape de la démarche, elle a ça pour objectif, vraiment analyser le contexte de l'entreprise, le contexte autour du produit, pour faire le juste équilibre, le juste compromis entre, d'une part, l'intégration de l'environnement et, d'autre part, le fait d'avoir une entreprise et un produit qui reste compétitif, qui reste implanté sur le marché. Justement pour éviter de se dire, on fait un produit co-conçu, mais impacte négativement la compétitivité de l'entreprise. Voilà pour les premières réponses. Je continue un petit peu, si vous permettez, si c'est bon. Je recache les questions, donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a. Faire signe du coup. Et j'ai vu qu'il y avait une suivante. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, je pourrais vous le montrer tout à l'heure un petit peu plus en détail, c'est quel est le panel des entreprises interrogées sur cette étude. Et ça permet de répondre à la question suivante. Sur cette étude, on a à peu près 300 entreprises qui ont été interrogées, un petit peu moins. Et on a des entreprises avec tout type de clientèle, un peu en B2B, un peu en B2C et un peu les deux, B2B et B2C. On a tout type d'entreprise, de la petite entreprise de entre 0 et 10 salariés jusqu'à au grand groupe à plus de 250 salariés. Et on a tous les secteurs d'activité également. On a à peu près la moitié des entreprises qui sont le secteur d'activité industrielle ou manufacturière, industrie manufacturière. On a un petit quart qui sont des entreprises de services, il me semble. Et après, on a tous les autres secteurs d'activité qui sont dans un dernier volet. Donc, c'est assez varié aussi, services, produits et tout type d'industrie. Au-delà de l'aspect économique, les questions ont été posées également sur qu'est-ce que a amené l'éco-conception à l'entreprise au-delà de l'aspect profit, de l'aspect volume des ventes. Elles ont été très nombreuses à répondre que le premier volet, c'est que ça leur amène une amélioration de l'image et de la notoriété de l'entreprise, parce qu'on communique différemment, parce qu'on communique des performances environnementales, et du coup, ça permet vraiment de valoriser l'image de l'entreprise. Le deuxième volet qui est intéressant à noter, c'est que ça permet une meilleure relation avec les clients, en particulier dans l'industrie, justement aussi car on a plus de transparence, on interagit plus et le fait de redéfinir le besoin et vraiment de partir du besoin pour définir un produit, enfin de prendre en compte vraiment ce besoin, de recentrer le client, ça permet d'améliorer les relations qu'on va avoir. Le troisième impact positif sur l'entreprise en dehors de l'aspect économique, c'est une augmentation de la motivation et de la fierté des employés. Tout simplement parce que ça permet aussi de redonner du sens, de questionner différemment son métier, d'être aussi parfois un peu plus transversal. Et donc, du coup, ça joue énormément sur ce facteur-là. On en voit également une amélioration de la motivation à développer de nouveaux produits, à innover, justement aussi parce que le fait d'avoir un projet d'éco-conception, on va essayer d'avoir une vision cycle de vie plus globale. Pour avoir une vision cycle de vie globale dans une entreprise, on va avoir besoin d'impliquer des personnes venant de différents secteurs, différents services, à la fois la R&D, mais aussi la direction pour avoir une vision plus stratégique à long terme, la partie commerciale pour gérer la relation client justement et les attentes clients, les
les services davantage logistiques pour améliorer aussi cette partie qui est une vraie étape du cycle de vie, les services marketing aussi pour aussi avoir une meilleure compréhension du besoin, etc. Donc finalement, on travaille ensemble, on a une plus grande capacité derrière à voir les choses différemment et à innover. Les derniers éléments, c'est de meilleures relations avec les diverses parties prenantes, autres que les clients et les fournisseurs, autorités réglementaires, ONG, riverains, etc. Une meilleure collaboration inter-service, ça revient à ce que je vous disais aussi, pour moi, c'est assez lié à la capacité à innover finalement. Et plus de facilité à recruter du personnel, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une demande de la part des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché de pouvoir participer positivement à la transition écologique. Donc finalement, éco-concevoir, ça va vraiment être intéressant dans une entreprise pour se différencier, pour construire un produit différemment qui va correspondre à un besoin, à un contexte précis, et pour amener une réponse que la concurrence n'amène peut-être pas encore sur l'aspect environnemental. Et le fait d'étudier son contexte, de voir les choses de manière plus large et de faire travailler toute l'entreprise ensemble, ça va aussi participer à ça. Se différencier en innovant potentiellement, ça permet aussi d'innover et de donner un second souffle à un produit, à une fonction sur laquelle on va travailler. Ça permet de maîtriser les risques aussi, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, parce que c'est assez intéressant de pouvoir aussi avoir cette vision sur la chaîne de valeur, sur l'ensemble de son produit, pour identifier peut-être des risques d'un point de vue partie prenante, d'un point de vue approvisionnement, d'un point de vue délai qu'on n'avait pas forcément vu, surtout aujourd'hui où c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, cette notion de risque dans une crise des matières premières qui est assez importante. Donc comment est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise manufacturière pour pouvoir maîtriser ces risques-là et les contourner? Ça permet aussi d'éco-concevoir de pouvoir assurer un ancrage territorial potentiellement en essayant de rapprocher aussi les parties prenantes avec lesquelles on va travailler. Et ça va permettre de répondre à une contrainte. Aujourd'hui, 90% des entreprises qui veulent éco-concevoir le font parce que c'est une demande de la part de leurs clients, de la part des autorités, de la part de la réglementation qui va devenir très pressante sur le sujet. Donc ça permet vraiment de répondre à ces contraintes-là de façon les plus cohérentes possible. Voilà un petit peu pour ce que ça peut apporter. Alors, je finirai rapidement sur finalement quelles sont les étapes de la démarche, comment on éco-conçoit. Je voulais juste vous présenter assez rapidement les étapes de la démarche et où est-ce que les outils d'analyse du cycle de vie notamment vont intervenir dans ce niveau-là. Là, on reste vraiment très orienté produit sur ce que je expose aujourd'hui. Quand on parle d'éco-conception, on peut aussi parler d'éco-conception de services, services numériques notamment, Christophe nous en parlera juste après, services au global, services d'assurance, services de banque, services d'électricien, de coiffeur, etc. C'est aussi des choses sur lesquelles nous on travaille. Et on peut aussi éco-concevoir de façon plus large l'activité d'une entreprise, ce qui est lié beaucoup aux normes ISO 14001, ça vous parle peut-être. Qui est une norme qui va permettre vraiment d'organiser un système de management environnemental pour éco-concevoir. Alors là, moi, je vais rester vraiment produit aujourd'hui, mais sachez qu'il existe d'autres tiroirs qu'on va pouvoir ouvrir pour aller plus loin dans une démarche. Quand on va vouloir éco-concevoir, les étapes d'une démarche d'éco-conception, les voici, elles sont au nombre de 6. La première étape, ça va être de un petit peu cadrer la démarche, cadrer les enjeux. Identifier pourquoi l'entreprise veut éco-concevoir, quels sont les moyens qu'elle possède, quels sont les enjeux auxquels elle veut répondre, et du coup, dimensionner un projet qui soit cohérent d'un point de vue des objectifs à atteindre, d'un point de vue des besoins de l'entreprise. C'est vraiment une étape stratégique qui va être extrêmement importante. On ne va pas directement rentrer dans un projet technique où on va évaluer, où on va trouver des solutions. Il y a vraiment cette notion de contexte en avant qui est très importante et qui permet justement de mieux travailler sur cette partie compromis et sur cette partie performance environnementale. Au travers de cette étape, le premier volet aussi important, c'est de choisir un produit. Une entreprise qui met plusieurs produits sur le marché, qui veut aujourd'hui se lancer dans une démarche de réduction d'impact, par quel produit elle va commencer? Est-ce qu'elle doit commencer par le produit qui est le plus complexe, parce qu'elle cherche à se faire aider? Donc du coup, elle préfère commencer par quelque chose de complexe avant de redescendre à des produits plus simples, qui peut le plus, peut le moins. Ou alors est-ce qu'elle va faire l'inverse? Est-ce qu'elle va prendre un produit simple pour commencer, pour éprouver la démarche, et ensuite, une fois qu'elle est montée en compétence, elle pourra complexifier sa problématique?
Est-ce qu'elle prend le plus gros volume de vente pour jouer sur l'effet d'échelle ou le plus faible pour pas prendre de risques? C'est des vraies orientations qui vont être toutes justes, mais toutes adaptées à un contexte et à une entreprise en particulier. Est-ce qu'on prend le produit qui a le plus gros potentiel d'éco-conception, le produit qui est en fin de vie marketing qu'on veut améliorer, à qui on veut donner une seconde jeunesse et du coup faire ça en répondant à de nouveaux besoins? Est-ce qu'on prend le produit sur lequel les concurrents sont déjà actifs pour les rattraper ou sur lequel il n'y a pas encore de concurrents? Pour pouvoir leur damer le pion et avoir un vrai gain concurrentiel. C'est des vrais sujets et des questions à se poser qui obligent finalement d'impliquer, comme je vous le disais, une équipe qui soit plus transversale, plus large pour avoir cette vision-là. D'où le fait justement de choisir une équipe projet, c'est aussi quelque chose qui va être fait dans cette première étape. Je finis ma première étape et je regarde la question. De faire cette première étape, on va essayer de mettre autour de la table du coup toutes les personnes qui vont avoir un rôle à jouer dans le cycle de vie produit dans l'entreprise, à la fois le chef d'entreprise, mais aussi tous les corps de métier liés aux relations dans la chaîne de valeur, les responsables achats, les responsables marketing, les responsables consommateurs, enfin, les clients ou les consommateurs même directement. On va aussi mettre autour de la table toutes les personnes liées vraiment d'un point de vue technique au développement du produit, le bureau d'études, le chef d'atelier, et aussi les personnes qui vont plutôt être compétentes d'un point de vue environnement et d'un point de vue compromis d'éco-conception. En dernier lieu, on mettra aussi la communication parce qu'il va être indispensable de communiquer sur ce qu'on met en place. Avant de passer à l'étape suivante, je vais essayer de regarder votre question, Nicolas. Éco-concevoir un produit doit permettre d'éco-concevoir un nouvel avion ou un nouveau téléphone? Pas forcément. C'est une excellente question. Est-ce que sous couvert d'éco-conception, on ne risque pas d'oublier l'essentiel, la sobriété, qui est la seule voie possible pour répondre aux objectifs du climat? Je suis entièrement d'accord. Après, tout est à savoir si on veut vraiment éco-concevoir un téléphone ou un avion, ou si on va essayer d'éco-concevoir des produits qui vont qu'on appelle nous des éco-solutions, c'est-à-dire qui participent vraiment, son utilisation permet de réduire réellement l'impact qu'on peut avoir au cours d'un produit, au cours de permet vraiment de réduire l'impact de sa fonction directement. C'est une vraie question, tout dépend de ce qu'on veut éco-concevoir. Et quand on parle de fonction, la question tout à fait légitime qui se pose, c'est est-ce que la fonction que je vais donner à mon produit est une fonction qui participe aux objectifs de réduction climatique ou pas? C'est une vraie question. Tout dépend de ce qu'on veut en faire derrière. C'est comme tout outil, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Je passe à mon étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape d'évaluation environnementale. On sait d'où on veut, on sait où on veut aller avec notre étape A. Maintenant, on va essayer de savoir d'où on part d'un point de vue évaluation environnementale, de notre produit, de notre situation de référence. Et pour le coup, là, il existe plein d'outils qui vont permettre justement d'évaluer les impacts environnementaux. Là, on va rentrer dans le dur de voilà, d'utiliser des outils qui vont permettre de faire une photographie à l'instant T, multi-étapes et multi-critères, donc sur toutes les étapes du cycle de vie et sur différents critères d'impact, parce qu'on ne peut pas tous les regrouper, de l'impact environnemental d'un produit. Et c'est là que la CV va rentrer en ligne de compte. La CV, qui est l'analyse de cycle de vie, c'est un outil, c'est purement un outil, j'insiste vraiment là-dessus, qui permet de faire une photographie à l'instant T de l'impact environnemental d'un produit. Alors après, il existe, c'est comme en photographie, il existe différents types de photographie. On peut avoir des outils d'ACV, dits ACV d'experts, qu'on peut réaliser sur des logiciels experts, du coup, qui vont être longs, compliqués à mettre en place et qui vont permettre d'avoir une photographie 24 millions de pixels de vos impacts environnementaux. On peut avoir des outils plus simplifiés, d'ACV dits plus simplifiés, qui vont être beaucoup moins longs à mettre en place, beaucoup moins lourds en termes d'outils. Il existe des outils gratuits qui permettent de faire ce genre d'études, notamment l'outil bilan produit de l'ADEME, mais c'est des études qui vont être moins précises, la qualité des données va être moins importante, la variété, la multiplicité des données va aussi moins être moins importante. On ne pourra peut-être pas tous les matériaux que l'on cherche, pas les, on pourra en tout cas peut-être pas les derniers matériaux qui viennent de sortir ou les matériaux très spécifiques. Mais on est sur une photographie des impacts environnementaux qui va être de l'ordre de 12 millions de pixels, donc quand même assez intéressante pour voir où sont nos impacts, où sont nos principaux postes d'impact qu'on va pouvoir réduire. Et ensuite, il existe d'autres outils, notamment les outils de matrice d'indice écologique qui, eux, sont encore plus simples. Ils utilisent le principe du fameux score unique dont je vous parlais tout à l'heure. On a condensé tous les critères d'impact en un seul score pondéré et normalisé. Et eux, ils sont encore
plus rapide à utiliser, plus simple à utiliser. Par contre, on est sur une photographie qui va plutôt être de l'ordre de 8 millions de pixels, donc déjà encore moins précise pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Je vous mets quelques noms d'outils pour que si un jour vous voulez creuser ça, vous puissiez y faire appel directement. Les autres outils sont plutôt des outils qui vont être liés à l'amélioration de produits et non plus seulement à l'évaluation. C'est des outils plus qualitatifs que quantitatifs finalement. Donc vous voyez, l'ACV, l'analyse du cycle de vie et l'évaluation environnementale vont vraiment être des outils pour faire de l'éco-conception, pour avoir des informations supplémentaires sur notre produit, qu'on va ensuite analyser, interpréter pour savoir où sont les gros postes de consommation qu'on va pouvoir réduire, sur lesquels on va pouvoir travailler. Et ça amène à l'étape suivante d'éco-conception, qui est la recherche de pistes d'éco-conception. On sait où sont nos impacts principaux, on sait où est-ce qu'on a des enjeux dans le cycle de vie pour réduire l'impact. On va maintenant chercher sur quel volet on va vouloir agir pour réduire l'impact. Pour ça, pareil, il existe des outils d'inspiration, il existe des outils pour avoir des grandes idées de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réduire l'impact environnemental. Je voulais vous en présenter seulement un très rapidement, qui s'appelle la roue des stratégies d'éco-conception, ou la roue de Breizet, qui a vraiment pour objectif de permettre d'avoir de grandes orientations de réduction d'impact environnemental selon les étapes du cycle de vie sur lesquelles on veut travailler. Alors, on est sur des choses très génériques, hein, vous le voyez peut-être, si on prend le numéro 1, sélection des matériaux, donc dans la partie matières premières, on va parler de matériaux moins toxiques, renouvelables, recyclés, recyclables, mais sans rentrer dans le détail. Après, c'est à chaque entreprise, en fonction de son secteur, en fonction des matériaux avec lesquels elle va travailler, d'aller creuser ce que représente pour elle le matériau renouvelable, ce que représente pour elle le matériau recyclé ou recyclable. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable d'un point de vue technique pour son produit? Et du coup, à partir de ça, aller plus loin pour chercher de nouvelles solutions. L'idée de cette étape-là, c'est vraiment de pouvoir être créatif, d'avoir un maximum de solutions, de ne pas se mettre de barrières. Les barrières, on va se les mettre à l'étape suivante, l'étape de décision, où là, l'idée, ça va être de faire le parallèle entre les pistes d'éco-conception qu'on a trouvées ici et les enjeux. Qu'est-ce qu'on veut faire déjà quand on voulait faire de l'éco-conception? Quel était l'objectif de l'entreprise, du produit? Quels étaient les moyens qu'on mettait sur la table? Et à partir de là, on va pouvoir hiérarchiser et choisir certaines pistes. Peut-être certaines ne seront pas pertinentes parce qu'elles ne rentreront pas dans notre contexte, mais ça permettra de, voilà, de choisir et de prioriser pour avoir un produit qui ait moins d'impact aujourd'hui et qui soit cohérent pour l'entreprise. Une fois qu'on sort de cette étape D, on a ce produit fini. Enfin, en tout cas, on sait ce qu'on veut mettre en place dessus. On va vérifier que d'un point de vue environnemental, on ait réellement des gains, d'où le fait d'avoir une étape d'évaluation environnementale comparative. On va comparer notre impact environnemental de notre nouveau produit, celui qu'on va réaliser, avec notre étape, notre impact environnemental, notre situation de référence. Donc, on utilise le même outil de la même façon. Et la dernière étape, une fois qu'on sait quel produit on met sur le marché, on sait quels sont ses gains environnementaux, à quel niveau, on sait qu'on n'a pas ou très très peu de transfert d'impact, on va le mettre sur le marché et du coup on va communiquer, informer la chaîne de valeur, les parties prenantes de la chaîne de valeur et les clients de ce qui a été réellement mis en place pour réduire l'impact de ce produit. Et pour ça, il existe des normes de communication, il existe des moyens de communiquer, des labels, des autodéclarations, des affichages particuliers pour justement, selon les secteurs d'activité et selon le fonctionnement de chaque filière, pouvoir communiquer de façon la plus irréprochable possible. Je crois que j'ai à peu près fini sur ce que je voulais vous dire sur l'ensemble des étapes d'une démarche. Voilà comment on fait d'un point de vue théorique. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rentrer dans le détail un peu plus complet, concret de comment ça peut se manifester sur certains projets, sur certains produits, certaines entreprises, et surtout comment la région Occitanie s'est emparée du sujet de l'éco-conception depuis plusieurs années maintenant. L'éco-conception de produits, mais aussi l'éco-conception numérique de manière générale. Peut-être que je vous redonne la parole, je ne sais pas lequel de vous reprend la parole avant d'enchaîner. Alors je vais faire une petite transition. Tout d'abord, merci pour cette belle présentation très complète. Je vais faire une petite transition vidéo pour introduire le concept d'éco-conception numérique. Donc je retourne ma vidéo qui a disparu. Ah, c'est bon, elle est là. Hop. Hop là. Le temps de partager. Ah, tout le monde voit, c'est bon. Attendez. Pas l'impression. Voilà.
La parole. Je vais peut-être te redonner la main pour le partage, quand normalement tu peux récupérer Marie pour remettre le diaporama. Parfait. Et je vais maintenant laisser la parole à Christophe pour vous donner plus de détails sur cette éco-conception numérique. Il faudra que tu réactives ton micro, Christophe, par contre. Voilà, c'est beaucoup mieux avec le Parfait. micro, comme ça, effectivement, ça marche mieux. C'est plus agréable pour vous. Merci beaucoup. Donc, effectivement, oui, un petit focus en complément de l'intervention de Marie, qui a présenté la globalité du concept et de méthodologie, en fait, d'éco-conception, qui s'applique aux produits et on l'oublie parfois, ou on le sait peut-être moins, qui s'applique aussi aux services. Et il y a une petite spécificité en Occitanie, puisqu'on a mené pendant 3 années avec les pouvoirs publics, l'ADEME, la région et les entreprises du digital, avec Digital 113 notamment, une opération pour permettre d'accompagner des entreprises qui utilisaient ou concevaient des services numériques, donc des sites internet, des applications smartphones, des logiciels, et donc accompagner ces entreprises à intégrer l'enjeu environnemental dans la conception de ces services numériques. Donc, on parle d'éco-conception de services numériques et ça aboutit à quelques indicateurs que vous avez vus dans le rapide clip vidéo tout à l'heure, où on a identifié qu'à l'échelle des 28 entreprises accompagnées, la démarche d'éco-conception de services permettait de réduire par 3 les impacts environnementaux de ces sites internet, de ces applications smartphones. C'est-à-dire que le fait de rajouter pour un maître d'ouvrage public ou privé dans son cahier des charges de conception d'un site web, de rajouter le mot éco-conception, c'était la quasi-garantie que le service qui allait être développé allait impacter 3 fois moins l'environnement que si on n'avait rien fait. Et ça, ce sont des résultats qui sont extrêmement importants dans leur ampleur et donc qui ont permis de montrer aux entreprises et d'accompagner les entreprises à acquérir ces savoir-faire. Et donc maintenant, bon, ça commence à se généraliser de plus en plus. Et puis, vous avez tout un cycle de formations et d'outils qui existent, notamment en région, pour accompagner les entreprises dans ces démarches-là d'éco-conception. Voilà un petit peu le point, me semble important, en complément de l'éco-conception de produits, d'expliquer que sur les services numériques, parce qu'il y a un gros environnement en Occitanie d'entreprises dans le secteur du numérique, il y avait aussi des choses faisables avec des résultats très intéressants. Et on applique les mêmes démarches que ce qu'a présenté Marie, hein. On s'appuie sur une méthodologie qui est normée au niveau international. Et on va faire de l'évaluation environnementale avec des outils comme de l'analyse de cycle de vie ou l'analyse de cycle de vie simplifiée. Voilà, on va utiliser les mêmes méthodologies, après avec une technicité spécifique liée à ce métier du numérique. Qu'est-ce que je peux vous donner comme... Bon, on va pas rentrer dans les exemples, mais bon, il y a 28 entreprises accompagnées et je vous ai apporté les résultats globaux. Dans le même ordre d'idées, on a une entreprise, par exemple, du OVA pour OVA, qui est une entreprise qui fait du service d'hébergement de données. Ils ont mené une démarche comme celle-là à l'échelle de leur service de cloud et ils ont réussi de réduire de 30 ou 40% la partie énergétique sur l'hébergement de données. Donc, vous voyez que on peut avoir des résultats concrets avec des chiffres précis et c'est aussi d'ailleurs des indicateurs intéressants pour présenter à ses clients où on s'appuie sur des choses qui s'appuient sur des méthodologies normées pour les quantifier. Voilà ce qu'on pour évoquer la partie numérique. Après, je voudrais revenir sur l'éco-conception de produits. On a évoqué tout ce qui peut être fait par les entreprises qui fabriquent et qui conçoivent des produits. Il y a eu dans la région Héraultaise et l'Aix-Languedoc-Roussillon deux opérations collectives qui ont été menées en 2005, puis après en 2010-2012, donc ça reprend 10 et 15 ans. J'avais commencé à aller chercher quelques résultats de réduction des impacts environnementaux, et puis après j'ai fonctionné un peu différemment. Je vais vous citer
Je pense que vous êtes beaucoup à bien connaître l'environnement économique. Je vais vous citer simplement le nom des entreprises qui, en 2005, s'étaient lancées dans des démarches d'éco-conception de produits. Vous avez BioUV, DMS, DuoDisplay, Focus, Outremer et SEG Diélectrique. Ce sont aujourd'hui des entreprises qui sont toutes des entreprises qui ont un très très beau développement, qui ont pour la plupart une ambition internationale, un développement international. Elles ont fait de l'éco-conception il y a 15 ans. En 2010, on a eu d'autres actions. Vous aviez dans l'opération de 2010 Asclay Santé dans le Gard, sur tout ce qui est lit médicalisé notamment. Bulan, autour de Montpellier, sur la partie hydrogène, qui on connaît aujourd'hui son développement. Medito, dans l'agroalimentaire. Pool Technology, dans la partie de l'eau. Technilum, qui aujourd'hui a un très très beau développement. Et Innotech aussi. Donc, sans rentrer dans les détails de ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont tous eu des résultats où ils ont réussi à quantifier l'impact de leurs produits et à réduire l'impact environnemental de leurs produits, les entreprises qui se sont engagées, on en revient à l'enquête qui a été présentée par Marie, ça la confirme que ça n'a pas été un handicap pour ces entreprises-là, bien au contraire. On n'a pas trop parlé de peut-être d'optimisation de coûts. Certains peuvent penser effectivement que mettre en place de telles démarches, ça peut rajouter des coûts. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de la partie méthodologie où on va en amont, dans la phase conception, peut-être consacrer un petit peu plus de temps, un peu plus de journées de travail, parce qu'on va réfléchir à des questions qui, habituellement, on ne se pose peut-être pas. Mais derrière, on va aller sur de la frugalité. Je prends dans une entreprise accompagnée qui montait des cartes électroniques dans des boîtiers. Ils ont complètement optimisé pour utiliser moins de vis et passer moins de temps à visser les cartes. Ils ont remplacé ça par un système de clip. Vous n'avez plus qu'à clipper. Ils ont gagné un temps énorme en montage et ils ont utilisé moins de matières premières. Donc on est là sur des enjeux économiques, environnementaux et économiques, et je pourrais prendre d'autres exemples comme ça en nombre. Donc voilà quelques éléments de retour d'information sur l'intérêt que cela peut avoir au niveau à la fois environnemental et économique. Si je peux juste rajouter un élément, pardon, je prends mon masque. Si je peux juste rajouter un élément, tu parlais justement de certaines de ces entreprises-là qui avaient été accompagnées il y a 15 ans. Il faut savoir que dans toutes les entreprises que tu as citées, il y en a au moins deux qui sont aujourd'hui encore dans des démarches d'éco-conception, qui continuent à bénéficier, ça fait la transition avec la partie suivante, des aides financières de la région et de l'ADEME sur ces sujets, qui continuent à développer des produits qui vont être éco-conçus, qui vont avoir une réduction d'impact énorme. Ça leur a vraiment permis d'avoir une démarche sur le long terme de différenciation et de mettre en place un cheminement d'entreprise qui est toujours valable aujourd'hui et sur lesquels ils continuent à s'appuyer et à travailler de manière très forte. Oui, et c'est un peu une caractéristique qu'on retrouve où ça donne, il y a une culture de l'innovation dans ces entreprises-là, avec ces méthodologies-là. Alors déjà, qui fédèrent les équipes en interne, qui améliore grandement, et tu l'as expliqué tout à l'heure, effectivement, la relation avec les fournisseurs, parce qu'on va beaucoup plus, et les clients vont beaucoup plus s'interroger mutuellement pour trouver des solutions qui conviennent à tous sur ces enjeux environnementaux où chacun peut apporter quelque chose. Et ce caractère d'innovation un peu perpétuel est très marqué. On prend l'exemple de... il y a Duo qui citait récemment... c'est eux que j'avais en tête notamment. 50% de leur gamme, ils ont de nouveaux produits tous les 3 ans, avec un très très fort ancrage RSE et éco-conception. Donc oui, tout à fait. Il fallait parler des aides ADEME, c'est moi qui en parle, Marie-Chiquet. Oui, si tu veux. Oui, bon, je vais commence, y aller en live et puis après tu compléteras si j'oublie des choses. Il faut savoir que vous avez la chance en Occitanie d'avoir un très bel outil avec le pôle éco-conception Occitanie et la présence de Marie Cusol, d'avoir un certain nombre d'outils
pour vous accompagner dans toutes ces démarches d'éco-conception. Tu vas peut-être le reprendre tout à l'heure, Samarie. Et en complément, vous avez donc des aides au niveau national qui sont dans le cadre, qui sont par l'ADEME. Et il y a une vraie opportunité pour s'en saisir. Alors, vous avez des aides un peu faciles à déclencher. Ça s'appelle Tremplin pour la transition écologique, qui permettent de faire un premier pas à l'éco-conception. Est ouvert jusqu'au mois de juin. Et vous avez surtout une aide extrêmement intéressante qui s'appelle l'étude de faisabilité éco-conception de l'ADEME, qui, jusqu'à la fin de l'année, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on est à jusqu'à 70% de financement. Et chose inédite, cette aide intègre les coûts internes. Donc, vous avez une grosse partie de votre facture de consulting qui peut être prise en charge grâce à cette aide de l'ADEME qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous avez une année pour bénéficier de soutien spécifique. Et après, ils ont une troisième aide qui pour soutenir des investissements liés à l'éco-conception. C'est-à-dire que vous avez dans un premier temps fait des études de faisabilité pour réfléchir à quelque chose, faire une ACV sur un nouveau produit ou une reconception de produit. Et bien, si d'ailleurs vous devez modifier votre process industriel pour répondre à ces enjeux d'éco-conception, alors l'ADEME va aussi pouvoir vous aider à l'investissement sur ce procédé. Donc ça, ce sont des aides qui sont très peu connues et qui sont extrêmement intéressantes pour les entreprises. Voilà, je vais laisser Marie compléter avec le dispositif spécifique pour les entreprises d'Occitanie. Merci beaucoup, mais tu as déjà beaucoup dit. En effet, voilà, l'ADEME, c'est très très pertinent pour aller financer des projets assez, assez conséquents. Déjà, quand vous savez ce que vous voulez faire, si vous savez que vous voulez mettre en place, ou alors parce que vous savez que vous avez les moyens, le temps et la possibilité de faire une étude de faisabilité aboutie, approfondie sur un projet en particulier. Sachez également qu'il existe énormément de financements à la région et qu'on a la chance en Occitanie d'avoir des organes ADEME et région qui communiquent énormément entre eux et qui financent des projets de manière conjointe régulièrement, sur l'éco-conception notamment, mais peut-être sur d'autres sujets. Moi, c'est vraiment la partie éco-conception que je vois. Donc voilà, il existe aussi des aides côté région, et ça leur arrive très fréquemment de pouvoir financer des choses ensemble pour que ce soit du plus avantageux possible pour vous derrière en tant qu'entreprise. Ça, c'est le premier volet. Avant de réellement faire financer un projet, souvent la problématique que je rencontre auprès des entreprises, c'est que il manque peut-être un élément, il manque un petit coup de pouce, un premier niveau d'orientation pour un petit peu savoir où vous en êtes et ce que vous souhaitez mettre en œuvre en tant qu'éco-conception, ce qui serait intéressant de faire pour vous. Et ça, c'est une problématique auquel on a répondu en mettant en place ce programme Oxymore que j'anime pour le pôle éco-conception depuis 2 ans maintenant. Alors, c'est un programme qui a été créé. Alors, avant de partir sur le programme, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je vais juste regarder ça rapidement. Non, c'est une personne qui s'en va. Merci oui, beaucoup c'était... pour votre présence et bonne fin de journée. Donc, du coup, ce programme, depuis 2019, depuis le moment où il a été créé, son idée, c'était vraiment de pouvoir sensibiliser les structures, sensibiliser les entreprises, prendre contact avec les structures, les réseaux, les fédérations, les acteurs économiques d'Occitanie pour justement essayer d'impulser cette démarche d'éco-conception. Et sur du coup maintenant quasiment 2 ans et demi, les objectifs qui ont été atteints, ça a été de sensibiliser environ 500 structures d'Occitanie, entreprises et organismes de manière générale, avec des webinaires, des ateliers comme on le fait aujourd'hui, soit très généraux sur l'éco-conception en général, soit davantage sectoriels sur le numérique, sur l'agroalimentaire, sur le textile, etc. Il existe des petites spécificités, des petits outils qui vont différer d'un secteur à l'autre parfois. Une autre action que fait le programme, c'est de l'accompagnement un petit peu plus individuel sous forme de diagnostic, dont je vous parlerai juste après. Là, l'idée en un an, ça a été de réaliser 16 diagnostics et 8 ans de travail dédié de conseil dans les entreprises directement. Et l'idée, ça a été de pouvoir travailler un peu dans tous les secteurs d'activité, à la fois industrie, services, grande distribution, agroalimentaire, médical notamment. Le but, c'est de pouvoir, comme le disait très justement Christophe tout à l'heure, la démarche d'éco-conception que je vous ai présentée, c'est
grosso modo toujours la même. Après, dans ce secteur d'activité à l'autre, il va y avoir des spécificités, des particularités à prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que vous, vous êtes spécialiste de votre métier, de votre produit, du fait de le mettre sur le marché, vous l'avez développé souvent, donc vous êtes les spécialistes là-dessus. La valeur ajoutée que va apporter la démarche d'éco-conception, c'est d'avoir d'intégrer cette spécificité cycle de vie, études globales, études environnementales, dans quelque chose que vous faites déjà et dont vous êtes spécialiste. Donc, ça a juste des éléments supplémentaires à ajouter pour que finalement, les solutions et les innovations, c'est vous qui allez réellement les mettre en place, les valoriser, parce que c'est vous qui connaissez vos produits en particulier. Ça, c'est l'impact du programme depuis 2019. Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner les entreprises d'Occitanie. Alors, les conditions d'éligibilité sont très simples. Il faut être une entreprise TPE, PME et petites ETI en Occitanie. Enfin, ETI même, juste pas les grands groupes. C'est les seuls types d'entreprises qui ne sont pas concernés. Et le but, c'est de pouvoir vous accompagner à votre niveau d'avancée, à votre niveau de maturité, pour pouvoir aller un peu plus loin, pour faire de l'éco-conception. Donc ça peut être un premier niveau d'information déjà, vous permettre de vous informer, comme c'est le cas aujourd'hui dans ce type d'intervention, d'atelier, de webinaire, de se dire qu'est-ce qu'est l'éco-conception, qu'est-ce que ça peut apporter, et peut-être vous donner envie de creuser le sujet par vous-même. Vous pouvez faire ça grâce au centre de ressources dont dispose le pôle éco-conception sur son site, sur ecoconception.fr. Vous pouvez aussi aller creuser les retours d'expérience d'actions qui ont déjà été faites en Occitanie, soit les actions dont parlait Christophe tout à l'heure. Il y a énormément de fiches, je sais, qui ont été réalisées par l'ADEME, suite notamment aux entreprises qui ont été accompagnées. Je pense à Bulan, je pense à Biodisplay. Il existe des fiches de retour d'expérience spécifiques sur ces entreprises. Et il existe aussi sur le site du programme Oxymore des fiches retour d'expérience, des fiches, des vidéos, des podcasts retour d'expérience des entreprises qui ont été accompagnées au cours des deux dernières années, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut leur apporter, quelles sont les perspectives pour elles derrière. Donc ça, c'est le premier niveau d'information. Le deuxième niveau derrière, pour vous permettre d'aller plus loin, c'est un niveau d'action, évidemment, qui va comporter une grosse partie de diagnostic. C'est l'action principale qu'on va pouvoir réaliser ensemble. L'idée, c'est de passer un peu de temps sur votre produit, sur le cycle de vie de votre produit en particulier, pour le décortiquer et pour derrière en sortir les points forts d'éco-conception et les pistes d'éco-conception pertinentes à mettre en place au regard de votre produit, de votre contexte, de votre secteur d'activité. On va regarder ça de manière un peu plus large. Et ce diagnostic, il peut avoir lieu soit de façon assez simplifiée, rapide, avec qui nécessite peu de temps pour vous, et qui est assez rapide à mettre en œuvre, soit dans le cadre de ce dont Christophe parlait tout à l'heure, le dispositif tremplin de l'ADEME, qui permet de financer ce qu'on appelle les premiers pas en éco-conception. C'est ce diagnostic, mais un petit peu plus construit, un petit peu plus long à réaliser. Ce sera une prestation un petit peu plus... un petit peu plus importante, dans laquelle on va aussi faire une analyse de cycle de vie simplifiée, notamment pour vraiment essayer d'aller au cœur de votre sujet et vous aider à faire ces premiers pas en éco-conception de manière plus poussée. Le dernier type d'accompagnement qu'on peut réaliser ensemble, c'est ce qu'on appelle une journée de conseil. Le but, c'est de passer un jour ensemble pour vous permettre de prendre en main un outil, une méthodologie, de sensibiliser des équipes pour passer un cap. Ces différents types d'actions dans ce volet agir, elles sont en grande partie financées par les financeurs du programme, que sont l'ADEME, la région et l'éco-organisme Valdélia, un éco-organisme du mobilier professionnel, ce qui vous permet à vous, entreprise, de pouvoir en bénéficier avec un reste à charge facturé qui sera de 20% de la totalité de la prestation. C'est la seule chose que vous aurez à régler de ce point de vue-là. Et le dernier volet, c'est une fois que vous êtes informé, une fois que vous avez été accompagné ou qu'on a un petit peu agi et que vous avez commencé à trouver les actions à mettre en œuvre, hein, l'idée de ce diagnostic, c'est de sortir avec peut-être une feuille de route déjà des actions à mettre en œuvre pour vous, c'est de pouvoir aller plus loin, c'est de pouvoir vous mettre en relation avec des financeurs du projet, ou alors peut-être que vous avez déjà un projet que vous souhaitez faire financer qui est construit et qui a des actions d'éco-conception. Dans ce cas-là, on peut aussi directement passer à ce niveau-là. Moi, je suis mes partenaires privilégiés sont l'ADEME, la région et d'autres acteurs économiques de l'Occitanie, donc je suis aussi là pour essayer de faciliter le transfert d'informations et faciliter ces mises en relation. C'est aussi des choses qui peuvent se faire.
Et le dernier volet, c'est aussi d'avoir un suivi. Le but, c'est pas de passer un peu de temps ensemble et puis de plus jamais avancer sur vos projets d'éco-conception. L'idée, c'est que ce programme Oxymor, il soit présent en trame de fond dans la région pour vous permettre d'avoir une expertise, une spécialisation sur laquelle vous appuyez dans vos projets d'éco-conception de manière large. Voilà, j'ai fini de parler du programme. C'est assez complet par rapport à l'ensemble des actions du coup mises en place. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Est-ce que elles ont été déjà traitées en parallèle? Je ne Il pense en pas. restait deux, je pense. Il y avait la question d'Odile Valade sur, qui demande si le secteur du bâtiment a fait partie des entreprises que vous avez accompagnées, vous. C'est une excellente question. Non, le secteur du bâtiment lui-même, c'est-à-dire un bâtiment entier, c'est pas un secteur que je vais accompagner. Pourquoi? Parce qu'on est sur un cycle de vie qui est beaucoup plus complexe, qui a beaucoup plus d'interactions et d'implications que seulement le cycle de vie d'un produit manufacturé. Là où, par contre, je vais pouvoir intervenir, et j'ai déjà fait, c'est sur des produits du bâtiment, des produits de structure, des produits de câblage électrique, des produits des menuiseries. Sur ces éléments-là, oui, mais sur un bâtiment lui-même, non. Et pour toute la partie liée à l'impact environnemental du bâtiment et à la construction durable, je vous invite à vous tourner vers Envirobat, qui est un acteur en Occitanie qui est très porté sur le sujet et qui vraiment travaille sur le bâtiment durable. Et j'ai vu que Odile, vous m'avez répondu que vous êtes menuisier, donc du coup, oui, produit du bâtiment, ça c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir davantage travailler. Il y avait aussi la question de Claude Bureau. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Alors, laissez-moi juste une minute pour la Bien sûr. lire. Vous avez un projet au stade de faisabilité. C'est-à-dire que vous êtes en train de développer un produit, hein, si j'ai bien compris. Et vous en êtes au niveau de l'étude de faisabilité du développement de produit, de la conception du produit. La conception n'est pas finalisée. Et vous voulez le développer sur l'éco-conception, donc avec une réduction d'impact au moment de la conception. Alors, oui, je pense que Oxymor peut vous aider là-dessus. Tout dépend du niveau d'avancement, en fait, de où est-ce que vous en êtes dans le développement du produit. Je vous invite peut-être à garder mon contact, je ne sais pas si je l'ai mis ici, et à m'appeler, comme ça on pourra. Non, je ne l'ai pas. Hop. Et à m'appeler, en discuter, comme ça on pourra en discuter directement ensemble. Et je ne vous ai pas entendu, je ne l'ai pas entendu. Non, c'est normal. Heureusement, je D'accord. t'ai pas coupé du coup. Mais je te disais, tu peux le mettre sur le chat et moi, je vais m'assurer quand même de l'envoyer à tout le monde par la suite. Je vous mets mon adresse Non. mail dans le chat et oui, en effet, aucun problème, on peut en rediscuter par la suite de la maturité de votre projet. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça maintenant, attendre un peu voilà, c'est ces questions-là qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet, sur ces sujets-là? Il n'y a pas de questions dans les médias. Moi, je voulais savoir s'il y a moyen d'avoir un peu plus de précision sur la durée des projets que vous avez pu porter, une petite échelle pour savoir combien de temps ça peut demander entre guillemets aux entreprises, même si au final ça rentre dans leur activité classique, j'ai envie de dire. Tu parles de mon point de vue sur la partie Sur la partie quel de la projet? démarche éco-conception, à partir du moment où D'accord. justement vous avez commencé à travailler avec une entreprise, combien de temps ça a Ok. pris pour Sur la partie voilà. diagnostic, du coup, parce que ce que fait Oxymor, ou une démarche d'éco-conception longue sur Bah, ce serait un sur les deux projet. plans pour justement donner un petit peu Ok. combien de temps prendrait le diagnostic, combien de temps prendrait l'éco-conception. Je pense que la deuxième phase Est plus prendrait peut-être complexe, beaucoup plus de mais. temps. Ouais. C'est ça. Alors, quand on parle de diagnostic, un diagnostic court le plus simple possible, pour moi, il va représenter 3 jours. Donc, ça peut être fait assez relativement, enfin, assez vite avec l'entreprise finalement. C'est 3 jours de travail à avoir. Et il y a une demi-journée à passer vraiment dans l'entreprise pour travailler avec elle, une demi-journée de travail avec l'entreprise sur son produit. Un diagnostic un peu plus long, ça va être un peu plus de temps de mon côté. On va monter à 5 jours environ, entre 5 et 7 jours, selon si on va faire une analyse du cycle de vie simplifiée. Et il y aura une journée de travail dans l'entreprise entière, à laquelle va s'ajouter une
petite partie initiation à l'éco-conception. On a essayé de mettre ça en place parce que c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur de vraiment prendre 1 heure et demie, 2 heures avec l'entreprise pour aller un peu plus dans le détail que ce que je vous ai dit là sur l'éco-conception, mais c'est l'idée globalement. Et une ré et des, après, il y a un point de réunion, de restitution qui sera aussi à mettre en œuvre. Donc, du coup, c'est en termes de temps pour l'entreprise, on va être sur une journée entière de travail. Et ensuite, il va y avoir du temps de préparation, évidemment, des informations dont je vais avoir besoin, des temps d'échange à avoir au milieu. Mais on ne va pas être sur une semaine entière à mobiliser pour l'entreprise, ça c'est sûr. On va être sur peut-être 2 jours au total. Et quand on parle d'une démarche d'éco-conception, quand une entreprise met en place une démarche d'éco-conception, là malheureusement, j'ai pas de durée réelle à vous donner parce que tout simplement, ça va dépendre de la fameuse première étape de cadrage de la démarche. Est-ce que l'idée, c'est de faire un projet où on va investir 10 millions d'euros, où on va revoir tout notre parc machine, embaucher 3 personnes et modéliser, enfin changer complètement notre produit, repartir de zéro. Là, on va s'arrêter sur des projets qui vont être très longs. Ou alors, est-ce qu'on va être sur des projets beaucoup plus courts où l'idée, c'est qu'on a identifié que ce qui posait problème aujourd'hui, c'était une, deux matières premières en particulier sur notre produit. On n'a pas forcément les moyens aujourd'hui d'aller plus loin. Donc, on va travailler sur la substitution de cette matière-là, sur la mise en place d'actions petit à petit, mais ça va être sur du long cours. Donc, en fait, c'est une démarche qui va être, qui va demander beaucoup de travail au début pour la lancer, mais qui après va être beaucoup moins demandeuse parce que ça va être sur du long cours et des actions plus longues ou alors des actions ponctuelles, mais on aura un gain environnemental qui peut être moindre. Tout dépend finalement du projet qu'on dimensionne et tout dépend aussi du secteur d'activité parce qu'on a des secteurs d'activité dans lesquels les temps de développement sont très courts. Donc on va essayer d'avoir de se cadrer au maximum sur ces temps de développement, même si c'est un développement un petit peu particulier, donc ça va prendre un peu plus de temps. Et on a des secteurs d'activité dans lesquels les temps de développement de produits sont très longs. Et dans ce cas, forcément, on va aussi s'adapter et peut-être avoir un temps de développement du projet d'éco-conception qui sera beaucoup plus long, dû aux contraintes même de l'entreprise, finalement. Bien sûr. Voilà, tout dépend de la taille du projet qu'on dimensionne, la taille de l'équipe qu'on met autour de la table et le secteur d'activité. Et je profite pour répondre à la question de Claude, il me semble. Je vous enverrai le PowerPoint et du coup, pour que vous puissiez diffuser à tous les participants, peut-être. Oui, bien sûr. On va faire comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être? Les participants? Pour compléter les propos de Marie tout à l'heure sur la partie temps de développement, donc effectivement, on va rajouter des étapes, des questionnements au niveau des équipes de conception qu'on ne faisait peut-être pas auparavant. Donc ça peut rallonger, ça va rallonger un petit peu. Par contre, on peut se poser la question, c'est que est-ce que se poser des questions sur le devenir de mon produit, une fois qu'il va devenir un déchet, intégrer ces questions-là aujourd'hui, est-ce que c'est rallonger du temps parce qu'on ne faisait pas avant, ou est-ce que c'est plutôt une évidence et c'est une nécessité? Voilà, ça reste à analyser. Sur la partie, et puis un petit exemple anecdotique, sur le parti numérique. Nicolas Bertrand parlait tout à l'heure de sobriété. Et bien on a pu constater que dans l'éco-conception sur la partie service numérique, une partie du travail va être de rechercher les fonctionnalités un peu inutiles, sur lesquelles on passait du temps de développement et qu'en fait étaient extrêmement peu utilisées ou pas du tout. Et donc, dans un projet d'éco-conception numérique, on peut même aller plus vite que sur un projet normal parce que justement, on va chanter tout un tas de fonctionnalités qui n'étaient peut-être pas essentielles pour rendre un service de qualité. Voilà. C'est un peu anecdotique hein, par rapport au secteur industriel, mais c'est une réalité. Oui, et puis c'est une très bonne remarque parce que même d'un point de vue industriel, c'est aussi quand on parle de se recentrer sur la fonction principale, c'est aussi exactement ce dont tu parles avec la sobriété finalement. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout ce qu'il y a autour ou qu'est-ce qui est anecdotique, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et tu avais d'ailleurs justement mentionné le concept d'éco-solution par rapport au choix du produit qui pourrait être le. Enfin, en tout cas, c'est la dynamique la plus pertinente possible qui va justement de se focaliser encore une fois à nouveau sur l'usage du produit par rapport à nos besoins globaux. Et évidemment, ça dépendra des secteurs d'activité dans lesquels on est déjà engagé, mais c'est une question qui est hyper importante pour que l'éco-conception ait vraiment le plus de sens possible.
Oui, tout à fait. Là, vraiment, sur une éco-solution, l'éco-conception, c'est un peu le passage obligé parce que ça va être de la pertinence, finalement, de la cohérence entre se dire on réalise un produit qui, le fait de l'utiliser, réduit l'impact environnemental de la solution sur laquelle on l'utilise. Mais si derrière, l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de mobilier modulable. Il existe aujourd'hui des entreprises qui, au lieu de fabriquer des tables, des étagères, etc., fabriquent des systèmes où c'est des systèmes de planches et directement d'étagères, de planches et d'attaches qui permettent de faire une table dans un endroit, puis quand on déménage, de pouvoir en faire une étagère très facilement, de pouvoir vraiment s'adapter pour éviter de multiplier les achats. Donc c'est vraiment une solution qui permet de réduire l'impact environnemental du mobilier et de la façon dont on s'approvisionne en mobilier pour un logement. Par contre, si derrière c'est un outil qui est fait, un produit qui est fait avec du bois qui n'est pas géré durablement, dont le revêtement émet énormément de COV et dont les attaches sont faites pareil dans des matériaux qui sont pas forcément, enfin, qui ont un impact important, finalement ça n'a peut-être pas de sens. Parce que le produit qui avait déjà pour vocation de réduire l'impact environnemental du mobilier qu'on a dans une pièce est lui-même plus impactant et plus impactant que des mobiliers qu'on pourrait avoir ailleurs. Donc du coup, ce n'est pas forcément une solution qui va être cohérente et qui va être intéressante. Donc c'est de plus en plus que recherchent aussi les entreprises de ce type de solution. Là, j'ai le mobilier en tête, mais il existe des éco-solutions de ce type dans tous les secteurs d'activité. Il faut faire ça de manière globale et se dire que c'est aussi dans la conception même du produit qu'on va essayer de réduire ses impacts, pas seulement son usage. Bien. Je rappelle d'ailleurs, enfin justement, le fait qu'il y a cette chance qui est assez énorme au final d'être subventionné jusqu'à 70% par l'ADEME. Donc ça permet vraiment à la fois de rester intéressant sur le plan des profits. Enfin, c'est la première chose que tu as présentée, mais pas que, et aussi tous les autres avantages que tu as pu mentionner au niveau enfin, à la fois du bien-être, des relations clients. Donc il y a vraiment énormément d'avantages qui sont liés à ça. Et encore une fois, que ce soit dans la dynamique produit, que dans la dynamique service, où il peut y avoir des choses qui bah, auxquelles, à côté duquel on passe facilement à côté, mais qui au final peuvent à la fois nous générer des économies et avoir un impact moins sur l'environnement. Donc c'est vraiment des choses qui sont à garder en tête. Est-ce qu'on aurait d'autres questions qui n'ont pas encore été posées sur le chat pour le coup? N'hésitez pas. Dans tous les cas, voilà, enfin, il y a eu la question qui était posée, mais on vous enverra bien à nouveau les deux contacts, dans les contacts de Marie Cussol et de Christophe Fernic par mail. Et vous aurez également les slides pour pouvoir aller plus loin sur tout cela, pardon. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. Oui, j'avais une petite question. Je suis de la société Lysio. Et en fait, nous, on travaille dans le numérique pour réduire justement l'impact du numérique. Alors, on n'est pas sur la phase d'éco-conception, mais on s'intéresse plutôt aux problématiques des sites qui sont déjà en ligne. Et on travaille sur des solutions pour justement réduire l'impact des sites en ligne. Parce qu'en fait, pour passer sur l'éco-conception, il faut attendre que les propriétaires des sites les refondent. Est-ce que dans ce cadre-là aussi, les différentes aides ou accompagnements que vous avez proposés s'appliquent? Sur quel volet finalement, sur quoi vous souhaiteriez être accompagné ou financé? En fait, on a développé des fonctionnalités en fait qu'on ajoute sur les sites web de nos clients et qui vont permettre de consulter le site en réduisant fortement leur impact carbone, mais aussi en mesurant leur impact pour justement les sensibiliser sur le fait que le cloud, c'est pas juste le nuage, mais que voilà, c'est un réel impact et les amener justement vers l'éco-conception. Leur dire, il y a des solutions, et quand vous allez refaire votre site, pensez-y. Et on a des acteurs locaux, et ainsi de suite. Et on voudrait développer cette activité-là, parce qu'en fait, la problématique, justement, c'est de faire prendre conscience et de sensibiliser les gens. Donc,
C'est un cercle, comment dire, c'est une mécanique qu'on doit mettre en route et ça demande pas mal d'efforts de communication, de présence. Et donc, c'est pour savoir s'il y avait des aides aussi à ce niveau-là. Alors, de mon côté, j'en ai aucune idée. Non. D'un point de Non. vue Oxymor, vraiment, on est vraiment sur le développement de produits, un petit peu de services, mais assez peu pour l'instant, enfin, un petit peu de services numériques, mais assez peu pour l'instant. Donc, de mon côté, toute cette partie, enfin, on ne finance pas, donc on ne pourra pas vous aider à avancer là-dessus, je pense. D'un point de vue ADEME et région, sur les budgets vraiment développement de produits éco-conçus, je ne suis pas sûre que ça rentre dans les cadres. Après, il existe peut-être d'autres financements, d'autres types d'aides dont je n'ai pas la visibilité, justement, sur ces aspects un peu plus sensibilisation qui pourraient être mobilisés, mais là, en tant que tel, je vous avoue que j'ai pas de visibilité sur cette partie-là, qui n'est pas vraiment du développement de produits, finalement. Éco-conçu, mais vraiment un accompagnement de vos clients et une communication vers vos clients, si j'ai bien compris. Peut-être que Christophe, tu as d'autres éléments? Des choses qui ont pu être aidées, par contre, ce sont des calculateurs. La conception d'outils, par exemple, pour pouvoir mesurer l'impact d'un site ou d'un service. Voilà, donc ça, au niveau de la conception des outils, parce que basé sur ces enjeux, il a pu y avoir des accompagnements. Après, on est dans du cas par cas, on est dans des choses Oui, qu'il bah, faut c'est vrai vraiment que. examiner avec l'ADEME. Au cas par cas. Voilà. C'est pas parce que on a une solution green que il y a une aide il y a une aide de l'ADEME et de la région. Hein. Voilà, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Et c'est vraiment ce qu'on a présenté tout à l'heure, la méthodologie d'éco-conception là qu'on a présentée aujourd'hui, qui est aidée, ce qui semble pas être tout à fait ce que vous nous expliquez. Vous amenez vos clients. Mais bon, après, il faut le voir au cas par cas plus en détail. On ne va pas passer trop de temps sur un besoin particulier. Voilà, donc c'est à étudier plus en détail. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est on s'intéresse à l'éco-conception justement quand on crée de nouveaux produits. Par contre, sur des produits existants, d'avoir des solutions qui permettent de réduire l'impact de produits existants, notamment numériques, de façon mécanique et facilement reproductible. Voilà. En fait, nous, on travaille plutôt sur cet axe-là. Et c'était pour voir si, effectivement, comme toute start-up, on recherche également des aides qui nous permettent d'étudier L'essentiel nos des actions. impacts sur un service numérique, la grande, grande majorité des impacts va être au niveau des fonctionnalités. Et donc, ça va être compliqué. Enfin, voilà, on est systématisé et automatisé les choses par rapport à ça. C'est plus projet par projet qu'on va pouvoir automatiser, réduire ces impacts. Ces fonctionnalités, elles ne peuvent pas être généralisées. C'est vraiment service par service que ça se décide et qu'on doit choisir ce qu'il faut enlever comme fonctionnalité. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué. Oui, mais je vous recontacterai, je vous enverrai un petit mail pour qu'on poursuive la Avec discussion. Mais plaisir. voilà, nous on s'intéresse plutôt au niveau des flux de données. En fait, on agit sur les flux de données. Alors, Christophe, est-ce que tu pourrais mettre ton mail? Je ne sais pas si tu l'avais mis dans Oui, le. je l'ai fait en privé, mais je vais mettre pour tous. Ah bah, Hop. ok, comme tu veux. Dans tous les cas, je retransmettrai, mais au cas Non, où, non, non, c'est pas un faire souci, très bien. Voilà. attention. À... Voilà. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On arrive sur la fin de notre temps d'échange. On n'a pas trop parlé de la demande client. Il y a aujourd'hui de plus en plus de clients, de grands comptes, de publics privés qui recherchent des solutions plus environnementales, plus responsables. Et donc là, il y a aussi un vrai enjeu à être à l'écoute. Et voire d'anticiper des besoins qui sont quelquefois pas toujours exprimés, et d'être un peu leader et un peu premier pour avoir un produit qui sera plus performant au niveau environnemental et sociétal, pourquoi pas, vis-à-vis de ses concurrents. Et pour compléter juste un peu, effectivement, enfin, c'est aussi, ça permet aussi d'être dans une démarche d'anticipation parce qu'il y a les lois qui évoluent très vite. Et au final, c'est, enfin, le fait de rentrer dans cette démarche d'éco-conception, ça peut être
l'occasion justement de prendre de l'avance par rapport à des choses qui vont devenir obligatoires, en tout cas en partie plus tard. Et enfin, c'est une dynamique qui du coup a ses avantages aussi sur ce plan-là, sur l'anticipation, sur la différenciation avec d'autres concurrents. Donc c'est vraiment des éléments à prendre en compte si vous avez envie et si vous pensez justement à intégrer cette démarche d'éco-conception. Bon, bah sur ce, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à cet atelier. Pour ceux qui sont encore présents, vous aurez un petit mail bilan avec un de vos les contacts au cas où et les slides. Il y aura aussi un petit retour questionnaire pour le retour d'expérience. Donc, je vous invite, il sera très rapide. Je vous invite à le remplir aussi pour avoir un petit retour d'expérience sur ça. Et il me reste à remercier énormément Christophe Hernic et Marie Cussol pour leurs belles interventions. Et ils resteront du coup à votre disposition pour répondre davantage à vos questions et pour enclencher, je l'espère, une démarche d'éco-conception à votre niveau. Avec plaisir et merci à toi pour cette organisation et ton accueil. C'est un plaisir. Merci à tous et bravo pour et merci à l'organisation tous pour votre écoute et votre présence et vos questions très intéressantes. Et peut-être à bientôt. Très bonne journée, très bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir.